Grazie Giuseppe. Proviamo a fare una rapida condivisione in partenza. Eccomi. Tu le Allora. fais en français, Fabio, n'est-ce pas? Comme tu Sì, sais le sì, faire. sì, Ok, sì. magnifique, Je génial. vais démarrer mon français tout de suite. Ok. D'accord. Sur l'idée de l'humanité comme force géologique, j'ai des doutes, mais je ne suis pas capable, en fait, de formaliser un concept alternatif ou une critique un peu plus serrée par rapport à cette idée. On peut dire qu'on se réfère à l'intensité, à l'omniprésence de l'activité humaine face au processus biologique de la Terre. En fait, je dois avouer aussi que j'arrive à ça avec un train de retard pour une question de formation. Et je trouve que la synthèse la meilleure de ça, c'était ce qui disait Giuseppe De Matteis dans son dernier bouquin, qui dit qu'en fait, c'était un malentendu, la façon avec laquelle on a essayé, dans un groupe aux années 70, de contrebalancer le pouvoir d'un certain type de géographie traditionnelle, poussant beaucoup sur la question de la société, mais en fait, maintenant, la fin de la dévaluation de l'importance de la composante naturelle dans les études de l'espace de géographie a commencé avec. Je pense notamment pour l'Italie, Alberto Magnaghi, mais aussi Latour dont on a parlé avant, etc. Et un bon recul aussi dans les savoirs géographiques. Je vais voir si j'arrive aussi à changer l'image. Elle est voilà. J'ai fait un PPT en italien juste pour donner un coup de main au cas où quelqu'un a du mal à comprendre les choses que Jésus est en train de dire. Donc, en principe, je suis d'accord en fait avec la vision de Jason Moore qui critique le fait qu'on parle d'homme comme tel, anthropos, pour caractériser cette ère géologique quand c'est le régime capitaliste écologique avec ses expansions d'échelle qui nous a conduits où nous sommes maintenant. Cette critique, bien évidemment, sert à Moore pour développer son discours, qui en réalité, c'est un discours historique et politique surtout, de cette histoire monde qui a émergé du regard critique des processus de mondialisation, etc. Donc, l'idée de capitalocène est formalisée, en fait, par Andreas Malm et surtout Donna Haraway, ça me convient un peu plus par rapport à l'idée d'anthropocène. Giuseppe m'a demandé d'aborder l'anthropocène du point de vue des migrations, un thème central, mais bizarrement marginal dans la littérature dédiée à ce sujet. Bien que ses racines remontent à la lecture déterministe établie au début du XXe siècle, puis au cours des années 40, je pense surtout à l'héritage de Frédéric Ratzel, au travail de Helen Churchill Sample, de Borges, etc. Mais en fait, comme disait tout au début Giuseppe, sans le mouvement de population, nous n'aurons jamais eu les sociétés qu'on a et surtout le soi-disant anthropocène dont on parle. La question des migrations est à la une, surtout dans le monde occidental, surtout à partir de 2015. Après la soi-disant crise des réfugiés en Europe, parce qu'à partir de ce moment-là, la question des migrations internationales semble avoir pris une place prépondérante dans la communication médiatique pour être configurée comme une obsession, presque une obsession, notamment dans les pays du monde occidental. Un problème de division qui s'est retrouvé définitivement à l'agenda politique, non seulement des États européens, où les partis anti-immigrés ont rapidement gagné une place considérable, mais aussi dans d'autres parties du monde, notamment aux États-Unis, avec les choix politiques de Donald Trump, mais aussi avant Donald Trump, il faut rappeler la politique australienne par rapport, synthétisée dans le mot No Way, sinon aussi l'histoire des murs dont venait de parler Fabio avant moi. Donc, les aspects secondaires par rapport à ces liaisons sont la sécurité, parce que c'est une clé à travers laquelle les migrations peuvent être lues, et pas seulement en termes de sécurité
de l'État et de la logique de sécurisation. Je ne sais pas si ça existe en fait en français un mot pareil, mais aussi en Italie, c'est un néologisme qui est tellement en vogue dans les interprétations de ces dernières années, mais aussi par rapport à la sécurité humaine élémentaire. La plupart des migrants qui viennent des pays du sud global sont entraînés par le manque de sécurité humaine qui peut se traduire par l'appauvrissement, inégalité, violence, déni des droits de l'homme, faiblesse des structures étatiques, et qui sont des thèmes qui sont toujours à prendre en compte quand on parle d'immigration. Cette condition de précarité sociale, économique et politique est trop souvent écartée du débat sécuritaire du côté du nord du monde. Et en termes de profil culturel, même s'il s'agit d'éléments fortement liés. Le regard vient sur les pays de départ quand il a fait référence aux problèmes d'insécurité générés par la dégradation de l'environnement. Donc, c'est une façon de naturaliser le phénomène. L'autre volet minoritaire par rapport au principal dont j'espère avoir le temps de parler, c'est-à-dire le rapport entre migration et changement global, c'est l'aspect de l'innovation. Si l'on regarde les répercussions de l'action humaine sur l'immigration, l'élément incontestable est représenté par le rôle joué par l'accélération de la mobilité internationale, de la technologie, et en particulier de l'amélioration des vecteurs et de la multiplication des outils d'information et de communication qu'ils ont favorisé une incroyable compression du temps et de l'espace pour évoquer l'esprit de David Harvey. Il suffit de penser à l'impact qu'ont eu les nouvelles technologies et les systèmes de communication sur les migrations et sur l'enforcement d'une idée de transnationalisme, surtout. Mais ce n'est pas cette perspective que l'on peut lire directement l'impact, c'est plutôt, et surtout, on parle toujours de la relation qu'on a avec le changement global. Je vais vite. Je te prie, Giuseppe, de me dire, pas évoquer, pas signer, 5 minutes, s'il te plaît. Okay? Il existe une distinction entre les cas des débuts lents, débuts rapides, les cyclones, les différences ont des nuances. Je vais vite parce que je crois que qui nous écoute connaît très bien ces différences. Et surtout, l'idée que l'immigration et l'environnement ne sont pas une catégorie séparée. Mais la question, c'est qu'il y a beaucoup d'études accréditées qui estiment que les principaux facteurs environnementaux qui peuvent provoquer des déplacements et deviendront de plus en plus importants dans les années à venir sont la puissance et la fréquence des tempêtes et des inondations, la sécheresse, la désertification, l'augmentation du niveau de la mer et toutes les choses qu'on connaît très bien aussi. Les choses qui arrivent d'emblée, comme les tremblements de terre, les érosions. Mais il faut dire que même face à ça, et on ne peut pas nier, bien évidemment, et surtout quels sont les effets critiques de ça, la question, le pro-circuit, c'est le rapport entre les catastrophes de l'environnement et les migrations de masse qui se dirige surtout vers le nord du monde. C'est ça l'idée, et surtout, on a plein de littérature, beaucoup de littérature grise, beaucoup de littérature sortie aussi par les ONG, qui parlent beaucoup de ce problème et de cette façon d'interpréter les changements. Le premier aspect à remarquer, c'est que la majorité de ce type de migration sont faibles, donc ils sont internes au pays dont on a eu la crise, ou dans la proximité géographique. Donc, pensez qui est touché par des criticités de type environnemental peuvent rejoindre tout de suite le nord du monde, c'est une façon de créer la panique, plus ou moins. En même temps, quand on parle de ça, on oublie très souvent que les migrations environnementales touche beaucoup sur aussi le nord du monde, mais on n'arrive jamais à parler dans les mêmes temps, avec la même façon de ça. La confirmation enfin, de tout ça, c'est le rapport qu'on a entre migration et continent. Dans tous les continents,
les premières communautés sont du même continent, à savoir les Européennes sont la majorité des migrants présents en Europe, mais aussi les Africains sont la majorité des migrants qui bougent en Afrique. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut nier tout ce qui concerne les criticités de l'environnement. Et bien évidemment, moi, je suis en fait d'accord aussi avec ce qui dit l'écrivain Jonathan Franzen, qui a sorti un bouquin que je sais qui a été traduit aussi un petit peu. C'était un petit pamphlet, ce n'était pas un bouquin. Sur l'idée d'arrêter de faire semblant et se rendre compte qu'on a dépassé en fait le moment pour rétablir une condition, un état des lieux comme il y avait avant. Et donc, il faut avoir la possibilité de se relier avec la question de l'environnement d'une façon tout à fait différente. Juste pour dire que je suis pas là pour nier la criticité des questions qui sort comme effet de l'anthropocène. Mais en même temps, la question, c'est la façon de l'utilisation de l'outil de mesure qui devient pertinent et la projection de scénarios globaux qui, sur la question des migrations, il apparaît de plus en plus récursif. Une espèce d'objectivation d'une question aussi complexe et articulée que l'on peut lire aussi dans les réflexions scientifiques de type démographique avec le livre de Stephen Smith qui est écrit en français, dont l'Afrique subsaharienne est au centre des réflexions très correctes du point de vue formel et statistique, il faut le dire, qui envisage... OK, merci. La perspective... d'une Europe vieillissante et dépeuplée, qu'elle deviendra bientôt une terre d'invasion pour une jeune Afrique et en route pour un nouveau continent, ce qui laisse supposer qu'en 2050, l'Europe sera peuplée de 200 millions d'Afro-Européennes. C'est ça la façon scientifique de présenter la question. Okay? Et c'est ça que, l'aspect que j'aimais bien remarquer. Je vais vite... Et je glisse sur tous les passages, surtout sous les données de l'Observatoire des déplacements internes et les millions de personnes qui ont été déplacées par ça et quels sont les lieux, ou mieux les régions qui sont de plus en plus touchées par la criticité des questions environnementales. Mais c'est vrai que c'est quelque chose avec laquelle il faut faire les comptes dans le futur. Donc, pour évoquer aussi un autre géographe très, très fameux qui s'appelle Dennis Cosgrove, il disait que le Sud global est de plus en plus le lieu des préoccupations morales occidentales. Pour qu'il fait, il faut affronter les drames des gens autrement incapables d'agir. C'était ça qu'il lui disait en se moquant un peu de l'approche humanitaire avec laquelle très souvent on regarde aux phénomènes migratoires. Du côté de l'étude des migrations, je crois qu'à partir des dernières décennies, il faut changer la façon de regarder en général la migration, au-delà de la question du rapport avec l'environnement. Il faut surtout reconnaître l'agentivité des migrants. Il faut sortir de l'idée de cette polarisation entre le besoin de sécurisation et de l'autre côté l'humanitarisation, c'est-à-dire la façon de regarder aux migrants comme des pauvres qui sont incapables d'agir. Parce qu'il faut toujours rappeler que la pauvreté absolue n'arrive jamais à projeter une migration intercontinentale. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un petit capital économique, un petit capital social et culturel pour savoir quoi faire dans le voyage. Tout ça, bien évidemment, sans nier la dramaticité, les tragiques voyages qui sont
qu'il doit faire pour rejoindre l'Europe. Enfin, il s'agit de 290 millions de migrants. On joue toujours avec les numéros, les grands numéros, la vision globale. Ils sont presque 300, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais à mon avis, il faut commencer à arrêter de faire des raisonnements par rapport aux grands numéros et surtout quitter la façon de voir d'un côté un peu déterministe, push and pull factor, les facteurs de... qui utilisent toujours pour interpréter les migrations. Il faut regarder au processus migratoire dans toutes les articulations aussi de genre et des motivations qui sont non pas forcément sont liées aux questions économiques. Et de ce point de vue, si on pousse et on regarde finalement aux questions sociaux, politique et culturelle, on peut dire que tous les migrants sont des migrants environnementaux. Je m'arrête là et j'espère qu'on a récupéré un peu de temps pour avoir une discussion à la fin. Merci.